C'est une première en live, s'il vous plaît, et un vrai plaisir aujourd'hui de vous retrouver sous le soleil de ce début du mois de septembre et dans un cadre particulièrement agréable, en direct du marché de Bagnols-sur-Cèze, à la veille de cette nouvelle édition de la fête votive. Au cours de cette émission, je recevrai notamment Christian Baum, adjoint au maire, délégué entre autres à la sécurité et à la tranquillité publique. Il viendra notamment faire un point sur les informations essentielles, à savoir sur les déplacements des riverains tout au long de cet événement. Michel Blanc, le vice-président du RCBM, sera également parmi nous. Il sera là évidemment pour nous parler de la traditionnelle bodega organisée par son club et bien sûr pour évoquer avec nous la Coupe du monde de rugby. Vous comprendrez pourquoi dans le détail tout à l'heure. Madame Dagani du comité des fêtes et Florent Dagani seront également là pour faire un point sur les festivals édition 2023. Et dans quelques secondes, c'est Maxime Couston, mon premier invité, adjoint au maire, premier adjoint au maire en charge du cadre de vie, des sports et des festivités. Bref, bagnolez-vous, l'émission en live, s'il vous plaît, spéciale rentrée et fête votive, c'est parti. Maxime Couston, bonjour. Bonjour Alain. Nous avons la chance de nous retrouver aujourd'hui donc sur la place Bertin-Boissin, au cœur de cette place Bertin-Boissin, entièrement rénovée, on peut le dire. Et d'ailleurs, on peut d'ores et déjà dire un petit mot sur la rénovation de cette place. Je crois que c'est une très belle réussite, hein, cette place, et on ne pouvait trouver un meilleur cadre pour parler de l'événement qui va suivre, c'est-à-dire la fête votive. C'est une place qui, ça fait un an et demi qu'on y travaille. Aujourd'hui, en plus, on a la chance de voir deux commerces, deux bars, restaurants qui viennent en plus d'ouvrir. On en parlera tout à l'heure. Mais voilà, on ne pouvait trouver mieux pour faire autour de cette belle foule, un jour de marché, parler de la fête votive. Eh bien, ça va être un grand plaisir que je vais partager avec tous les Bagnolais et tous les amis qui m'entourent ici. Alors, la fête votive s'inscrit dans le cadre des festivals 2023. Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur cette première édition, enfin sur cette édition 2023 des festivals ? Oui, ça a été une belle réussite puisque c'était le pari qu'on avait fait avec Monsieur le maire et toute l'équipe municipale. Il en fallait pour tout le monde, pour tous les goûts, pour tous les âges. On a eu de Yannick Noah, en passant par Sheila, les DJ et puis dernièrement la petite culotte. On a eu un public qui a été ravi. L'organisation avec le comité des fêtes, tous les services techniques et surtout la population qui a été enthousiaste. Donc c'est ça qui a été notre plus belle récompense. Alors la fête votive édition 2023, c'est 4 jours de fête, c'est ça ? 4 jours de fête du vendredi au lundi. Donc ça commence officiellement ce vendredi, samedi, dimanche pour le week-end en intégralité et jusqu'à lundi. Quels sont pour vous les mots-clés, les événements référent essentiel de cette fête votive édition 2023. Alors la fête votive de Bagnols-sur-Cèze, tout le monde le sait, c'est historique. C'est avant tout, bien entendu, une fête foraine. Hein. C'est la combientième, on sait? Ah non, je ne veux pas vous le dire. On était tout petits, en fait. Quand je pense qu'il y a depuis beaucoup de décennies, la fête votive existe, puisque moi, quand j'étais tout petit, déjà on y venait. Je pense que tous les vieux Bagnolais l'ont connue. Aujourd'hui, elle évolue avec son temps et la fête foraine reste le pilier de cette fête votive. Mais bien entendu, nous, on a essayé, puisqu'on l'a raccourci à 4 jours, on a fait en sorte que ça devienne une vraie fête votive comme on voit dans nos villages alentours, avec le comité des fêtes, les orchestres, les diverses animations. Et bien entendu, depuis un an, l'arrivée du club taurin, mais dont on parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, Maxime. Quels sont les horaires d'ouverture de la fête ? Alors la fête, eh bien, c'est-à-dire ça ouvre l'après-midi à partir de 4 h jusqu'à 1 h du matin. On peut trouver le détail de la programmation ? Oui. Alors sur les réseaux sociaux, sur les médias traditionnels, le site de la ville, etc. Et puis les affichettes que nos nos personnes de la communication distribuent dans toute la ville. Et le magazine Bagnols et vous qui est distribué en boîte aux lettres chez tous les Bagnolais. Et tous les deux aujourd'hui. Ils sont nombreux à travailler pour organiser ce rendez-vous annuel. Les services de la ville, les services techniques, les bénévoles, on en disait un mot il y a un instant. C'est une très grosse organisation et cette année on a tenu à accentuer, si vous voulez, le côté sécurité et le côté administratif. Vous avez vu, cet été, on a eu pas mal d'accidents, hein, même des drames hein, dans certains parcs forains. Donc nous, on a fait le maximum pour qu'on évite ce genre d'accidents qui sont plus que regrettables. Hein. Donc on a mis l'accent pour que tous nos industriels forains qui vont entrer dans la ville de Bagnols soient à jour de toute la paperasserie, à la fois administrative mais surtout sécuritaire pour leur manège. On en parlera tout à l'heure avec Christian Baum qui sera parmi nous autour de ce plateau. Retour aux traditions, j'aimerais convier le club taurin à rejoindre notre plateau. Avec Yannick Mira, qui est le président d'honneur et ancien président du club Lou Gabian, avec Christine Muscio également, puisqu'il y a des événements qui sont devenus importants depuis l'année dernière, Maxime. D'abord, un petit mot sur le club taurin, puisque là, je retrouve tous mes amis avec tous ceux qui... Nous avions lancé le comité des fêtes, le club taurin, et Yannick fait partie de ces statuts de la bouvine locale. Il est d'Orsan, mais je crois qu'il est venu sur Bagnols. C'est lui qui a créé avec toute une équipe d'amis. Et je peux vous assurer qu'on a passé des moments merveilleux. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le retour et le maintien de nos traditions, disons taurines et méridionales à Bagnols-sur-Cèze. Je crois que c'est un point essentiel qu'on s'est fixé avec M. le maire et le cabinet du maire. On y tient beaucoup. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'on va pouvoir continuer et remettre au goût du jour l'affition, voilà, l'amour de la... On peut dire que ce sont des traditions méridionales, Maxime le précisait, mais pas seulement, c'est provençal, c'est occitan. Ouais, Camarguez surtout. Et Camarguez. Voilà, c'est d'ailleurs les traditions taurines, de bouvine. Alors, les manades, on peut les présenter? Oui, alors là, ils sont la manade de la Loze. C'est une manade qui est à Quissac. D'accord. Ils font beaucoup d'activités, surtout des abrivades, ce qu'on va faire dimanche. Alors, on dit abrivade, on a francisé le terme. Oui, c'était l'arrivée, en ancien temps, c'est l'arrivée. C'est-à-dire que les taureaux partaient des prés et ils venaient aux arènes, dans la ville ou le village, et ça s'appelait l'arrivée. Ils faisaient la course et le soir, ils repartaient, c'est le lâcher. Abrivado en provençal. Voilà. Ouais. Et bandido arrivée. Et bandido, c'est l'arrivée. Ouais, c'est bandir, c'est-à-dire on bandissait les taureaux. C'est-à-dire que le matin, on calmait les taureaux, on venait avec plusieurs chevaux, de façon à faire l'abrivade, essayer de passer au pas, pour avoir une abrivade, pour que les taureaux ne soient pas fatigués. Et le soir, comme c'était fini, on repartait et à grande vitesse. C'est pour ça que c'était la bandide, le lâcher. Alors comment ça va se passer concrètement dans Bagnols? Alors nous à Bagnols on le fait entre des barrières parce que maintenant la réglementation nous l'oblige. Parce qu'avant on a eu fait sans barrière, maintenant ça avait des barrières. Oui, avant tout le monde pouvait sauter sur les petits taureaux. Mais là on peut rentrer dans le parcours, c'est ouvert à tout le monde. Et le but du jeu c'est toujours d'attraper le taureau. D'attraper le taureau. Voilà, de faire sortir le taureau des cavaliers. Et de faire attention de ne pas se faire attraper par le taureau. Oui, mais en plus il y a certaines règles, il ne faut pas toucher le cheval, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas lui tirer. Les taureaux, c'est les mêmes qui servent à chaque fois. Il ne faut pas qu'ils se blessent. Quoi. Aussi bien les chevaux, les taureaux que les cavaliers. Ils vont être nombreux. Alors, normalement, il y a 9 cavaliers pour 4 taureaux. Ça, c'est la norme. Après, il peut y avoir 6 taureaux, plus de cavaliers. Mais normalement, la norme, c'est ça. Et le matin, ils vont partir d'un camion qui sera avenue Général de Gaulle, pour arriver au Posterlon, qui est notre siège du club taurin. Alors c'est important, voilà, on parle du Posterlon, puisque vous êtes en partenariat avec le bar du Posterlon, et on salue à ce propos toute l'équipe du Posterlon, Patrice, Nina, Louis, Philippe et Antoine. Et donc ça se passe l'après-midi. Non, ça se passe le matin. Ça se passe le matin. À 10h, on fait un déjeuner. Pour recevoir les cavaliers. Mais avec les taureaux? Non, les taureaux ne sont pas invités. Ils sont dans les camions, quoi. Ils ne vont pas déjeuner, les taureaux? Non, ils déjeunent avant. Ah, ils déjeunent avant, d'accord. Ils petit-déjeunent, en fait. Voilà. Là, c'est les cavaliers qui vont déjeuner. D'accord. C'est ouvert à la population. Donc, on invite ceux qui aiment les qui aiment la bouvine, on invite tout le monde, quoi. Donc en fait, c'est apéro, déjeuner, apéro avec... Non, c'est déjeuner, après il y a les taureaux et l'apéro. Ce qu'on appelait le déjeuner au pré. Voilà, avant on faisait au pré parce qu'on démarrait. Bien sûr. Comme ça se fait vers le Kellar, tout ça, ils font le déjeuner au pré. Ils vont vers tout ça, ils débarrent des prés, et l'abrivade, elle va jusqu'au village encore, ça se fait encore. Mais nous, à Bagnols, bon, on n'a pas trop de prés de taureaux. Et... Pas en ville, ouais, en tout cas. Voilà. Ils viennent jusqu'à la ville, quand même. Hein. Ouais. Voilà. Et... Alors, Christine, ouais. Une garde... voilà. Prends un micro, ce sera plus pratique. Voilà. Après l'abrivade, vous aurez un repas qui sera servi, une gardienne, effectuée par les établissements Cocorico devant le bar du Posterlon, devant le siège. Donc, si vous voulez réserver, prendre vos repas, il faut s'adresser directement au bar du Posterlon. Donc, il y aura un repas de servi, voilà, pour faire passer... Donc, après il faut s'inscrire. Voilà, il faut s'inscrire, voilà, tout à fait. Hein, voilà, et puis ben, après le soir, la bandido, et après la bandido... Alors, tu dis bandide, mais c'est bandido, et alors on a dit bandido et abrivade, en fait. Voilà, normalement c'est abrivado. Et abrivado, voilà. Mais on l'a francisé, le mot. Oui, on l'a francisé, tout à fait. On l'a francisé. Tout à fait. Et la bandido, on l'a pas francisé, pour le coup. On dit la bandide aussi, on dit les deux. On dit les deux. Ça dépend des personnes. Et à partir de 19 h, donc il y aura une bodega au bar du Posterlon, donc pour clôturer cette journée taurine. Voilà. Donc ça veut dire que ça va se terminer très tard. Je pense. Et vous serez tous là pour faire la fête, Maxime. Voilà. Oui. Ah mais moi, oui, mais bien sûr, quand il faut faire la fête, je suis là aussi. Bien sûr. Il y a le sérieux, mais il y a aussi le côté festif qui fait partie de la vie. Et quand on parle de fêtes votives, de nos traditions, c'est cet esprit qu'on veut remettre à Bagnols-sur-Cèze. Et c'est très important parce que souvent on disait à Bagnols, ça perd un peu ses traditions, etc. Mais non, on a le côté vigneron, on a le côté taureau, le côté Camargue. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup puisque Bagnols est la capitale du Garaudanien et il faut qu'elles vivent dans cet esprit. Mais bien sûr, et c'est plus important que ce qu'on croit, hein, au-delà du côté festif. Mais bien sûr, ça part aussi du côté de la fête. Et avec tous mes amis, on est toujours présents. Et si monsieur le maire était là, il y serait aussi. Toute l'équipe municipale sera présente. Non, non, rassurez-vous. Alors là, c'est une deuxième édition. Oui, c'était la deuxième édition. On marque le taureau à la culotte. Yannick. Oui, voilà, parce qu'on a créé le club taurin en 1988. On a fait les taureaux jusqu'en 2002. J'avais une question à vous poser. Lou Gabian. Oui. Alors, Gabian, c'est le nom de mon cheval. D'accord. C'est pour ça qu'on a voulu donner un nom. Et comme j'avais mon cheval, il s'appelait Gabian, que j'ai eu Poulain, qui a vécu toute la vie chez moi. L'origine de Gabian, c'est quoi? C'est un Camargue. C'est un Thibaut. Manade Thibaut. D'accord, ok. Ouais, un vrai Camargue. Et on a voulu donner le nom pour partir sur le Lou Gabian. Et ensuite, les chevaux repartent... Mais moi, j'habite Orsan, donc mes chevaux sont Orsan. D'accord. Et mes chevaux sont nés chez moi et ils sont morts chez moi, quoi. Et les taureaux... ont vécu... Et les taureaux, ils sont à la Manade, chez le manadier, le propriétaire des taureaux, qui lui, il est obligé d'avoir beaucoup de terre. Et là, actuellement, ça sera à Quissac. Mais avant, je montais chez Thibault, c'était à Salier, à le Baron, sur la route des Sainte-Marie. Alors, vous vouliez dire un mot sur justement la deuxième édition? Oui, voilà, parce que nous, on a créé en 88 avec toute une équipe. On a monté, jusqu'à 2002, on a fait les taureaux chaque fête votive, même en juin. On a eu même fait une année un concours d'abrivade. Donc, plus particulièrement dans des villages? Non, ici, donc à Bagnols. À Bagnols? Oui, l'organisation, c'est qu'à Bagnols. Voilà. D'accord. Ouais. Moi, en tant que cavalier, je montais de partout, dans tous les villages et les villes. Mais là, c'était en tant que... C'est bien ce qui me semblait. Voilà, en tant qu'organisateur de Bagnols. Club taurin, c'est que Bagnols, on organise qu'à Bagnols. Sauf quand on fait des ferrades où on allait chez des manadiers. Oui, voilà. Là, on se déplaçait avec des cartes pour aller... C'est ce qui voilà. est Et après, en 2002, voilà, 2002 j'ai arrêté pour des raisons de santé. Et on n'a pas repris parce que personne derrière n'était capable de reprendre. Et on a repris en 2022, 20 ans après, dont l'année dernière, où on a pu remonter le bureau, on a tout recréé le club taurin, qui était en sommeil, et on a pu redémarrer. Et là, c'est parti comme en 88. Quoi. On peut intégrer le club taurin? Quelqu'un qui est passionné, il faut être bénévole. Il faut être cavalier déjà à la base? Pas du tout. Il faut aimer la fête, l'organisation. Il faut aimer la fête. Ok, ça c'est facile de trouver du monde qui aime la fête. Après, ça c'est pas compliqué. De s'impliquer aussi parce qu'il y a du travail quand même. Car on a quand même le service technique de Bagnols qui nous met les barrières. Alors ça c'est primordial. Sans eux, on ne pourrait pas faire. Un petit mot pour le service technique. Ouais. C'est vrai qu'ils sont impliqués, sur la fête. Oui. Ils le sont d'autant plus que vraiment ils se démènent. Là, on fait un travail énorme parce qu'il faut aller chercher les barrières à Nîmes, hein, puisque Bagnols n'a pas ses propres barrières. Hein. Donc il faut aller les chercher à Nîmes, il faut les installer, il faut les sécuriser, il faut les lier les unes aux autres. Hein, et le club taurin tout seul ne pourrait pas le faire. Hein. Donc un grand coup de chapeau au service technique et il mérite bien après de venir boire l'apéro avec tous les aficionados. Ça, Non, non, mais c'est. Et ce que disait Yannick, j'aimerais aussi que ce club taurin fasse de temps en temps, aille au-delà du côté festif et abrivado, remettre un peu l'éducation de nos traditions camarguaises jusqu'à Bagnols, c'est-à-dire quand on parle la signification de la Croix de Camargue, le fer des gardiens, comment on selle un cheval, etc. On l'a vu fait par le passé, et je pense qu'un jour on pourra faire une exposition dans à la multiculturelle ou dans une autre salle pour que les gens puissent venir voir ce que sont les traditions, puisque on est au nord si vous voulez, la vallée du Rhône, on est au nord de ces traditions camarguaises, mais il y a Saint-Paulé-de-Quesson, Orsan, bien entendu, Laudun, etc., Tresques, de plus en plus. Donc il faut que Bagnols, en tant que capitale de notre agglo, soit aussi le fer de lance de toutes ces traditions auxquelles tous les Bagnolais tiennent beaucoup. On nous parle souvent de la croix camarguaise et de sa signification. On peut faire un petit rappel là-dessus? Oui, ça a été... il y a beaucoup de gens qui posent la question. Ouais, c'est le marquis de Baroncelli qui a fait faire la croix Camargue, où il y a la charité, l'encre... Donc les fameux tridents. Voilà, les tridents, c'est la charité, il y a le... vous me prenez le coin. Charité, l'encre, la croix... Et le fer. Ouais, les tridents pour les gardiens. Et la Camargue, le cœur pour le... Et le cœur, et l'affition. Ouais. Donc les aficionados. Ouais, voilà. Et ça représente, rien que la croix représente toute la bouvine, quoi. Ça part des saintes jusqu'à... Ceux qui aiment les taureaux, on leur croit. C'est un truc qu'on a sur nous. Donc vous l'avez sur vous ? Voilà, ouais. Ah, vous avez la petite croix camarguaise, très bien. Voilà. Ça, c'est le symbole. On dit souvent que ça porte bonheur aussi quand on place ça à l'entrée de la maison. C'est pas qu'on est croyant, mais c'est une croyance à la bouvine, enfin on fait partie du monde de la bouvine. Le monde des taureaux, on appelle ça la bouvine, quoi. Et d'ailleurs, chez moi à Carmignan, quand vous arrivez, la première chose que vous voyez, en dessus ma remise, c'est la Croix de Camargue. Carmignan, c'est l'entrée de la Camargue, c'est ça? C'est un petit duché spécial. C'est la porte de la Camargue. Qui aime la vigne et la Camargue. Avec Monseigneur Maxime Couston, Monseigneur de Carmignan. Christine, merci. Tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, mais bon, sur la fête votive, Non, ça va, je pense que Maxime a tout dit. Hein, Maxime a tout dit, Yannick également. Voilà. Vous n'avez rien oublié? Non, je ne pense pas. Il sera encore temps, de toute façon, au moment de l'événement, de répondre aux questions des Bagnolaises et des Bagnolais. Vous rappelez simplement la date? Dimanche. 10. Rendez-vous à partir de 10h. Donc au bar du Posterlon. Au bar du Posterlon, au siège, à partir de 10h du matin. Voilà, pour le petit déjeuner, et ensuite la journée démarre. Voilà. Et ne pas oublier d'aller s'inscrire. Il ne faut pas aller s'inscrire au bar du Posterlon pour aller boire un verre, normalement. Non, non, ça va. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Moi, je tiens quand même à remercier tous les services de la mairie qui nous accompagnent dans toutes les démarches administratives également. Hein, voilà. Oui, parce qu'on les oublie aussi parfois. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, des arrêtés. Il y a tout un travail derrière. Donc voilà, et également les services techniques pour la mise en place des barrières, parce que c'est quand même un travail très très important. Voilà. Voilà. Yannick, merci. Merci Christine, merci. Maxime, on se retrouve tout à l'heure. Allez, avec plaisir. Pour clôturer cette émission, je souhaiterais maintenant vous dire que toujours dans le cadre de Bagnols et vous, l'émission spéciale rentrée, spéciale fête votive, toujours en direct du marché, en ce mercredi, nous allons accueillir Florent Dagani, qui représente le comité des fêtes, pour nous parler un petit peu des événements, des différents événements qui ont eu lieu tout au long de cet été, et de faire un petit peu le point sur les événements à venir pour cette rentrée, et plus spécialement les événements qui sont rattachés à la fête votive. Florent, bonjour. Bonjour. Alors, cette année, j'ai compté 55 événements au cours de l'été dans le cadre des festivals. Le chiffre est correct? Le chiffre est correct, oui. Le chiffre est correct. Donc, évidemment, on ne va pas tous les énumérer, mais au cours de ces événements, il y a la traditionnelle fiesta bagnolaise, les concours de chant, le cinéma en plein air, les jeudis en musique, les concerts du Mont-Coton. On a évoqué tout à l'heure rapidement avec Maxime. Et puis, bien sûr, la fête votive, on va y revenir. Alors, vous avez en charge... une partie qui est quand même relativement importante, qui est entre guillemets lourde, parce que vous devez gérer la logistique, vous devez gérer l'accueil des festivaliers, des spectateurs, bref des Bagnolais en général, mais pas que, tout le public. Bref, c'est beaucoup de travail ça. C'est une grosse charge de travail et je remercierai jamais assez tous les bénévoles qui travaillent sans compter leur temps. Sans discontinuer. Ouais, sans discontinuer. C'est vrai que pour nous, le Festicès, c'est vraiment une période lourde et fatigante, mais tout le monde le fait avec plaisir et dans la bonne humeur. Alors les bénévoles, ils sont présents. Il faut bien le noter, pas seulement pour les festivals, mais tout au long de l'année, sur l'ensemble de toutes les manifestations bagnolaises. Il y a des manifestations aussi tout au long de l'hiver. Et le comité des fêtes, vous répondez présent. Vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui au comité? On est une soixantaine de bénévoles adhérents. Actifs. Et actifs, on dira qu'on est une quarantaine. Ah oui, ça veut dire que tous les adhérents ne sont pas actifs? Moi, j'aurais dit le contraire. Je pensais qu'il y avait plus d'actifs que d'adhérents. Non, non. D'accord. Bon, et alors, ça veut dire que vous avez besoin de recruter encore? Je vous pose toujours la question, mais c'est important parce qu'on a vraiment besoin de savoir si le comité des fêtes, bon, voilà, on dit OK, on est 40, on est 50, on est 60, c'est largement suffisant, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. C'est pas le cas. Non, c'est pas du tout le cas. C'est vrai que c'est une équipe dynamique, quelquefois vieillissante. Donc, ce qui nous fait défaut, c'est les jeunes. On aimerait que les jeunes s'impliquent un peu plus parce qu'ils nous apporteraient d'autres idées, d'autres manifestations à organiser. Et puis, ils auraient la force et le dynamisme de leur jeunesse. Et un œil peut-être un peu différent. Comment on peut faire pour séduire les jeunes et les inviter à vous rejoindre? Ah, c'est difficile. Hein. Alors, j'ai dit comment on peut faire, ou alors comment vous faites déjà? On essaye de diffuser le plus possible notre besoin de bénévoles. Et puis, on essaye de mettre une ambiance au sein du comité des fêtes festive, c'est-à-dire que c'est du travail. Énormément de travail, hein, installer tout un ensemble de bars, d'accueil, gérer les loges des artistes pour les festivals, ça demande du temps. Mais on essaye d'avoir une ambiance conviviale, festive, aussi à l'intérieur du comité des fêtes et avec les bénévoles. Alors ces jeunes, il faut les accompagner aussi, on ne peut pas les lâcher comme ça dans la nature, il faut qu'ils aient un minimum de formation, d'infos aussi, pour pouvoir rejoindre votre comité et puis travailler avec vous, à vos côtés. Alors nous, on fonctionne sur l'envie, donc dès que quelqu'un a envie de venir, il vient, il se met à côté d'un des anciens et il apprend au fur et à mesure l'activité. Après, il y a plein de postes différents, il y a les postes restauration, il y a les postes entrée, il y a les postes... Oui, parce que vous assurez de la restauration, du bar, donc il y a vraiment une multitude de possibilités et d'activités au sein du comité des fêtes. Ouais, il y a des postes différents... Quand on installe nos structures gonflables ou tous les systèmes d'animation... Ben vous avez besoin de gonfleurs qui ont du souffle. Voilà, c'est ça. On a surtout besoin de gens qui sont prêts à porter 500 kilos de châteaux gonflables. Et je reconnais autour de nous des fidèles de chez Fidèles du comité des fêtes et qui ont apporté beaucoup au comité des fêtes de Bagnols. Donc il faut vraiment les saluer parce que le comité des fêtes exerce depuis des années. Et toujours avec autant de détermination, de volonté, d'envie, de désir. Et tout ça pour animer la ville, il faut vraiment le souligner et le saluer, c'est important. Oui, oui, et même ceux qui ne peuvent pas faire grand-chose, venir, amener de la joie, ça peut être aussi une activité nécessaire à notre comité. Alors je voudrais revenir maintenant sur la fête votive. Un petit mot sur ce que vous allez proposer cette année. Alors cette année, on va commencer dès le vendredi avec les déambulations des penas, avec la pena del fuego bagnolaise qui va déambuler dans toute la ville. Et puis il était prévu la pena tanga libre qui n'a pas pu se libérer, donc elle sera remplacée par la pena les plates-bandes. Donc ça, le vendredi, ce sera juste de la déambulation. C'est vendredi après-midi? Vendredi soir, à partir de 19h, 19h, 23h, 20h. La déambulation se fait dans toute la ville? Dans toute la ville, dans tout ce qui est la fête, c'est-à-dire à partir de la place Bertin-Boissin jusqu'à place Jean Jaurès. Les deux pénas vont déambuler en se rencontrant, en se croisant. Mais ça ne va pas faire une cacophonie énorme, ça? La fête, c'est une cacophonie. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que on trouve chez les Peñas, vraiment, ils ont su, je trouve, se renouveler dans leur registre et dans leur programme, et ça c'est plutôt une bonne chose. D'autres rendez-vous ? Alors, après le samedi, on continuera avec une déambulation de 19h à 23h avec la pénale Los Amigos en ville, pareil. Il y aura un concert à 20h, de 20h à 23h avec le groupe Jump à la place Bertin-Boissin. Donc ici, tout à fait. Et un autre concert à la place Jean Jaurès. Non, il n'y a pas de concert à la place Jean Jaurès. Mettez-vous d'accord. Non. Alors, place Bertin-Boissin, on est d'accord, il y a un concert. Voilà. Ce matin, il y a une émission, mais il y aura bien un concert. Oui. Et la PENA tournera plus sur Jean Jaurès pour que tous les bars soient animés également. Voilà. On salue au passage nos amis du bar des sports et du bar Le Central. Le bar des sports qui rouvre ou vient d'ouvrir, si je ne dis pas de bêtises. C'est imminent, c'est aujourd'hui, comme d'ailleurs le restaurant Le Daps, ce qui atteste bien qu'on va avoir sur Bagnoles des restaurants et des bars supplémentaires pour permettre aux Bagnolais de sortir, d'aller boire un verre et de manger tranquillement, de déjeuner avec beaucoup de bonheur ici sur la place. On y reviendra tout à l'heure. Le nombre de bénévoles, on en a parlé. L'appel au bénévolat, vous le poursuivez. Oui. Il y a d'autres animations auxquelles... Samedi à 11h, il y aura le concours de garçons de café. Et pour la première année, on a décidé d'ouvrir ce concours à tout le monde, c'est-à-dire les professionnels des bars de Bagnols-sur-Cèze, mais aussi les animateurs. Les garçons de café, les piliers de bar aussi. Les piliers de bar qui veulent tenir le plateau, il n'y a pas de souci. Ça dépend à quelle heure, il faut être prudent. C'est ça. On aura nos trousses de secours, il n'y a pas de souci. Donc il y a cette course avec cette année des non-professionnels, parce que chaque année, il y avait des personnes qui venaient et qui nous disaient on aimerait bien la faire, mais on ne travaille pas dans un bar. Et donc, cette année, on a décidé d'ouvrir la course aux amateurs. Voilà, il faut juste venir avec son plateau et arriver à transporter les verres jusqu'au bout du chemin. Vous vouliez peut-être rajouter quelques informations, Claude, n'hésitez pas. Non, jusqu'à maintenant, tout va bien. Ils n'ont rien oublié? Non, pour l'instant, c'est bon. Bon, donc vous êtes prêts, vous êtes motivés, vous êtes déterminés, vous êtes en place. On est en place, et puis il y a d'autres activités à l'après-midi de 12h à 15h. Il y aura l'animation avec le DJ Mabrouk qui fera devant les Halles de la Cèze une animation. Et puis le dimanche matin, il y aura un concours de lancer de noyau qui avait été... C'est pas à 14h? 14h à 16h, oui, excusez-moi. Alors de noyau, mais il faut préciser. De noyau d'olive. D'accord, très bien. Peu importe la couleur de l'olive. Tant qu'il y a un noyau dedans, c'est bon. Tant qu'il y a un noyau dedans, il faut éviter les olives dénoyautées, ça ne marche pas. C'est de la triche. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu sur ce plateau ce matin. Concours de chant, peut-être. Bien sûr. J'étais en train de vous dire, vous n'avez rien oublié. Vous me dites, on n'a rien oublié, on a fait le tour. Alors, parlez du concours de chant. Allez-y. Donc, dimanche, on aura la finale du concours de chant, place Bertin-Boissin, suivie d'une soirée. Ici, donc toujours, un peu plus loin, devant les bars et restos de l'Atomique, du DAPS et de la Bourse. Et suivie après d'une soirée musette. D'accord, très bien. Donc ça, c'est à partir de quelle heure? Alors, le concours de chant, à partir de 16h. À partir de 16h. Il faut s'inscrire où? Alors, c'est la finale. C'est la finale. Donc, c'est les gens qui ont été sélectionnés en juillet et les gens qui ont été sélectionnés en août qui concourent pour la finale. Ce qui veut dire que je ne peux pas venir, en fait. Trop tard. Mais en même temps, c'est mieux, ça évitera les intempéries. Ça vous permettra d'avoir la garantie d'avoir du soleil. Merci d'être venu ce matin sur ce plateau. On vous souhaite une belle fête votive. Et puis à très bientôt et plein de courage à vous. On peut encore rajouter un petit mot. Mais dites-moi, vous allez passer votre matinée à rajouter des choses, Colette. Dans nos projets, enfin dans nos activités futures, le 30 septembre, on fait une fête de la bière à la salle multiculturelle. Avec modération. À partir de 19h. Donc moi, je rentre de notre ville jumelle de Braunfels et je suis arrivée avec 2 fûts de bière de Braunfels. Je vais le noter. Ça, vous avez dit la fête de la bière, c'est quel jour ? La fête de la bière, le samedi 30 septembre, à partir de 19h à la salle multiculturelle. Là, je peux venir, les inscriptions sont pas clôturées. Alors, il y aura un repas choucroute et il y aura possibilité de rentrer sans le repas. juste pour profiter de déguster différentes bières. C'est parfait. Donc ça, je pense qu'il va y avoir des amateurs. Merci à vous. Je rappelle que nous sommes toujours en direct de Bagnols-sur-Cèze de la place Bertin-Boissin pour célébrer la rentrée, le marché évidemment. On évoquera le marché et les exposants non sédentaires dans un instant. Et puis bien sûr la fête votive avec, vous allez comprendre pourquoi, quelques événements qui vont venir, quelques événements nationaux qui vont venir se greffer à cet événement local. J'aimerais que Michel Blanc, vice-président du... Oh, il est magnifique. Du RCBM, nous rejoigne. Ah ben oui. Mais je sais pourquoi vous venez avec ça, parce que Christophe Liabeuf, qui est le président, la dernière fois, je lui avais proposé... On le voit, le ballon. Je lui avais proposé de venir avec son ballon de rugby. Vous avez... Pourquoi vous n'avez pas le maillot du club? Non, mais prenez le micro, vous allez voir, c'est mieux. Ça marche, hein? Ah bah, si vous l'avez allumé, ouais, regardez, ça marche, il suffit de parler en face. C'est bien. Oui, non, je ne l'ai pas pris parce que je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait le mettre aujourd'hui. Vous... ben, c'est une erreur de débutant, ça. Sûrement, à l'âge que j'ai, il faut bien commencer. Bon, alors donc très bien. Je reviens sur... on va parler de plusieurs choses parce qu'avec vous, on a plein de... Bonjour. Bonjour. Je suis toujours impressionné quand je vois les rugbymen parce que... Encore, il n'est pas costaud, celui-là. Non, mais j'aurais adoré, moi, faire du rugby, mais on n'a jamais voulu de moi. Donc, je voulais m'arrêter un instant sur la bodega d'hiver. Oui. Parce qu'avec la météo d'aujourd'hui, on peut parler de l'hiver, hein, ça s'y prête. Bien sûr. Ça a été un succès. On remet ça donc cette année, c'est ça? Normalement, c'est prévu pour le mois de février aussi. Je pense que Milo, c'est ça. On est en train de voir avec Au Passage qui nous a prêté ses installations. D'accord, donc le restaurant Au Passage Place Mallet. Il est partenaire du club. Très bien. Donc pour l'année prochaine... On salue nos amis restaurateurs de la Place Mallet aussi. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas très loin, mais on ne les voit pas d'ici. Donc c'est prévu, il y a eu un franc succès, on avait beaucoup de monde et je pense que l'année prochaine on va avoir encore un peu plus de monde. Le truc c'est que c'était mois de février, il n'y avait pas beaucoup d'animation sur Bagnols et nous c'était en plein air. Et en plein air pour faire sortir le monde, c'était pas évident. En février c'est compliqué? Oui, c'était compliqué, il faisait un peu frais mais c'était tenue de ski, donc on avait moins frais. Mais la tenue de ski pour jouer au rugby, c'est moyen, non? C'est moyen, mais c'est pas grave. On ne jouait pas au rugby, c'était le thème ski. Voilà. Alors, bon, donc, comme chaque année, la bodega du rugby, c'est un rendez-vous clé de la fête votive. Alors, dites-nous, cette année, ça se passe où? À quelle heure? Racontez-moi. Alors, ça commence, l'heure d'ouverture, c'est 18h30 à peu près, au Square des Marronniers qui se trouve là-bas à notre droite. Le Square des Marronniers qui est derrière nous. Donc, Je rappelle que nous sommes place Bertin-Boissin, pour celles et ceux qui nous suivent sur Facebook. Donc, c'est dans le prolongement des restaurants, la Bourse, l'Atomique et le DAPS. C'est dans le prolongement. Et l'étincelle, il ne faut oublier personne. L'étincelle, voilà, ok, c'est ça. Bien sûr, l'étincelle, excusez-moi. L'étincelle. Donc, l'ouverture des portes, c'est à 18h30. Il y aura à manger des saucisses à la ferme Gubernat, célèbre, très célèbre, avec ses belles frites. Après, il y a l'ouverture de la Coupe du monde sur écran géant France-Nouvelle-Zélande. Là, on attend énormément de monde. C'est un lieu incontournable pour y aller ce vendredi soir. Et franchement, la Coupe du monde, c'est en France en plus. Ça va être un truc extraordinaire. On y arrive. Moi, je veux des pronostics. Des pronostics. Sur un match, tout est faisable. Ah oui, non, mais alors ça, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Mais en étant bon Gaulois, les Français vont gagner. Non, je note. Je veux des pronostics. Il faut savoir qu'on est tous conditionnés pour que la France gagne. Oui, en même temps, ce que vous me dites là, c'est presque une réponse un peu normande, avec tout le respect que j'ai pour les Normands. Pas du tout. On prépare la Coupe du monde depuis plusieurs années et on est prêt. On n'a jamais été autant prêt. Alors attendez, si on n'a pas de pronostic pour le premier match, comment vous allez faire pour pronostiquer le vainqueur de la Coupe du monde? Ah non, mais c'est Michel qui n'a pas le pronostic. Ah, vous l'avez? Ah oui, c'est victoire de la France. Ah non, non, c'est victoire de la France. Oui, oui. Il faut qu'on gagne. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et le nombre de chances de gagner sur 10 9 sur 10. 9,5 sur 10. Ouais. Les All Blacks, c'est 7 sur 10. Non, non, il faut... Ah, 7 sur 10 avec les All Blacks, quand même, ouais. J'aime bien, vous êtes optimiste, j'aime bien, j'adore. Ben ouais, ça se passe en France. Et tout est fait cette année pour gagner la Coupe du Monde. Alors, l'intérêt, c'est effectivement de dire que vous allez diffuser le premier match, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure en direct. Sur écran géant. Sur écran géant, au Square des Marronniers, donc avec le RCBM. Je crois savoir que vous avez aussi passé un accord de partenariat avec les Halles. Oui, alors pour vous expliquer en deux mots, samedi aussi, toute la journée, sur le fil rouge, ce sera la Coupe du Monde, samedi après-midi, parce qu'il y a plusieurs matchs de la Coupe du Monde qui seront diffusés intégralement aussi au Square des Marronniers. D'accord. Voilà, et après, on bascule la semaine d'après au Halles. Au Halles Bagnolaise. Au Halles Bagnolaise qui se trouve là-bas au bout du Beauvoir-la-Combe. Bien sûr. Et là, avec le partenariat de M. Anthony Gazan, qui nous a fortement invités à venir. Et qui vous a bien accueilli. Et voilà, et qu'on a passé un partenariat avec lui. Donc pendant toute la Coupe du Monde, ça se passera au Halles. Très bien. Et le RCBM a prévu quoi cette année de particulier, à part cet événement qui est déjà... le plus important. Alors, vous voyez que derrière nous, en fond d'écran... Je reviens sur le local, excusez-moi, mais... Ouais. Sur le local. Attendez, on va revenir. Parce que moi, j'ai vu un véhicule. Alors là, le problème, c'est que le véhicule, il est un peu encombré parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché ce matin. Mais vous avez une Renault 5 floquée aux couleurs du RCBM. Pourquoi ? Alors, vas-y, Lucien, c'est ta partie, parce que c'est Lucien qui s'est occupé d'avoir la voiture R5. Vas-y, Lucien. Alors, nous tenons à remercier d'abord notre partenaire Renault qui nous offre la voiture. C'est Bruno qui vous a offert la voiture, mais il faut lui dire qu'il a sorti des nouvelles voitures depuis, hein, la R5. Il y a la nouvelle Renault 5 qui va sortir, mais c'est dans quelques temps encore, c'est pas pour tout de suite. Vous avez raison, mais c'est en préparation de la nouvelle R5 qui va arriver l'année prochaine, la voiture électrique R5. Donc c'est une sorte de publicité un an avant. D'accord, donc c'est vraiment un petit teasing, mais c'est pas tout à fait le même modèle. Alors pourquoi cette voiture? Pourquoi cette voiture au milieu de la place Bertin-Boissin? C'était une sorte de communication pour le RCBM. Pendant un an, on va la promener un petit peu dans toute l'agglo. Oui. Et qui va nous faire notre publicité. Nous voulons beaucoup d'adhérents, beaucoup de licenciés, beaucoup de bénévoles, beaucoup de joueuses. On a une équipe mixte féminine. J'allais vous poser la question parce qu'on parle de foot féminin, on parle de rugby féminin aussi. Exactement. Et donc, c'est une attraction peut-être, mais c'est vraiment... Visiblement, il y a du monde qui est... Ça interpelle. Hein. C'est vraiment un appel pour que tout le monde puisse venir au rugby, que ce soit spectateur, joueur, joueuse, enfant, babies et... Milo, qui est directeur sportif, qui est là pour ça. Il va vous en parler un peu mieux pour la Coupe de rugby. Oui, on va laisser la parole. On va laisser la parole à Milo. Il marche mon micro? Oui, votre micro fonctionne, tout fonctionne bien. Donc, effectivement, comme disait Lucien, c'est un sport ouvert à tous. On a créé quelques sections mixtes de rugby loisirs dans un premier temps. Ne sachant pas combien de personnes allaient adhérer à ce projet. Donc on a une section pour les femmes qui est du rugby touché dans un premier temps. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le rugby touché, c'est il n'y a aucun contact en fait, il n'y a pas de plaquage. À la place du plaquage, on se fait toucher. Pour simuler un plaquage. Il y a des mêlées quand même? Ce qui arrête le jeu. Non, justement. Il n'y a aucune phase de contact. D'accord. J'ai toujours trouvé que les règles du rugby, c'était super compliqué, mais... Effectivement, c'est très compliqué, mais on s'adapte petit à petit. Et selon les différents rugby aussi, les règles changent. Donc chaque section a ses propres règles. Et c'est plus ou moins adapté à certaines personnes. Donc ça veut dire que pour vous, l'année 2023-2024 s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices là. Ça s'annonce vraiment. Vous êtes optimiste? Tout le temps optimiste. Tout le temps. Au rugby, il faut, c'est bien. D'un rugbyman. On ne peut pas rentrer sur un terrain défaitiste. Donc on est conditionné comme l'équipe de France, on est conditionné de notre jeune âge à être optimiste tout le temps. Alors. Vous avez autre chose à rajouter? Au point de vue quoi? Je ne sais pas. Voilà. Si vous avez peut-être un message à passer, un recrutement à formuler. Ah ben, de toute façon, on a besoin de bénévoles en permanence. On a besoin de... Un rappel pour les événements donc, à venir, parce que c'est bien de faire une petite piqûre de rappel en se disant, voilà, n'oubliez pas la retransmission, déjà premier rendez-vous, la retransmission du match France-Nouvelle-Zélande. Au score des Marronniers, ce vendredi soir à 21h15. Mais la bodega est ouverte. Bien sûr, autrement, il n'y aura plus de place pour regarder l'écran. La bodega est ouverte à partir de quelle heure ? À partir de 18h30, ce sera ouvert. D'accord. En sachant que le samedi matin, on organise aussi un concours de belote. C'est ouvert à tout le monde. L'après-midi, il y a des jeux pour les enfants de 14h à 15h. Autour du rugby ou des jeux... C'est ouvert à tout le monde. C'est pas autour du rugby, non, pas nécessairement. Après, c'est repris par les adultes. Il y aura des jeux aussi très rigolos, très marrants. Il faudra venir, par exemple, lancer de tongs, celui qui lance la tongue le plus loin. Voilà, en gros, c'est ça. Après le lancer de noyau d'olive, voilà, le lancer de tongs. Et si on lance le noyau d'olive et la tongue en même temps, ça marche ou... Ça peut marcher, mais bon, c'est pas pour ça que vous aurez une bière gratuite. Ah mince alors. Non. Et après, bon, bien sûr, après il y a la bodega qui continue, animée par Gigi Baba. Tout le samedi soir, en n'oubliant pas aussi que le dimanche, il y a la vie de grenier au parc Rainbow. D'accord, donc voilà, on n'en avait pas parlé, effectivement. Oui. Donc le parc Rainbow, alors, toutes les semaines, il faut savoir que c'est M. Trossi avec toute son équipe qui tient le vie de grenier là-bas. Pour le rugby, en fait, tous les dimanches, qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont là. Donc voilà, franchement, chapeau pour tous ces bénévoles du vie de grenier. Un grand chapeau à tous les bénévoles du club. Sans eux, on n'existerait absolument pas. Voilà. Autrement, d'autres événements, je crois qu'il y a Halloween aussi pour les petits. Donc là, on avance un peu dans le temps. Voilà. Fin octobre. Voilà, donc, ouais, c'est fin octobre. Après, pour la Saint-Patrick... Vous allez remplacer le ballon par des citrouilles. Voilà. Je vais faire tomber mon micro. Voilà, exactement. Ce sera floqué les citrouilles, bien sûr, avec les cuissons, avec l'emblème emblématique. On n'est pas très éloigné de la pastèque. Hein. C'est un peu plus léger, heureusement. C'est un peu plus léger, mais c'est plus pratique. Après, on en fait la Saint-Patrick à la MOBA, la salle multique de concert à Bagnols-sur-Cèze. Donc la Saint-Patrick, c'est pour... mois de mars. C'est ce que j'allais vous dire, on a encore un petit peu de temps. On a un peu de temps. De toute façon, vous allez publier toutes ces infos bien sûr. Sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun souci pour ça. On a une très bonne équipe de communication au rugby. Ça marche comme sur des roulettes et franchement, ils sont super bons. Un grand chapeau, un coup de chapeau à eux aussi. Milo, il y a d'autres manifestations. Il y a le challenge Marty aussi qu'on fait, qu'on a fait l'année dernière. En fait, pratiquement tous les mois. Mais c'est trop bien. Ouais, tous les mois, on essaie de faire une animation. Pour vous jouez au rugby quand même entre deux animations. Nous, on a joué avec Lucien. Tu peux dire premier match le 24. Alors, premier match de championnat, on reçoit Mende le 24 septembre. À Bagnols-sur-Cèze, donc ça approche très bientôt. Il y a aussi un pronostic ? Pronostic, bien sûr que Bagnols va gagner, ça c'est aucun souci. J'étais un peu sceptique pour l'équipe de France, mais pour Bagnols, il n'y a aucun souci pour ça. 10/10. Voilà, mais écoutez, sur la page. J'espère qu'il n'y a pas trop de Lozériens autour parce que. Non, on adore les Lozériens et chaque fois on est bien reçus là-bas. On est très bien reçus, il n'y a aucun souci pour ça. Et puis on ne mange pas bien en Lozère. On ne mange pas bien, tu es fou. Là-bas, c'est la meilleure réception du monde. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, merci. On va souhaiter à l'équipe de France de rugby tout le bonheur que l'on peut imaginer. Et surtout, venez nombreux à la bodega ce vendredi. Il va y avoir une ambiance extraordinaire. Et alors, si la France gagne la Coupe du Monde, vous prévoyez quelque chose ou pas ? Oui, on prévoit. Bref, moi, personnellement, je vais monter au clocher de l'église et pendant une semaine, je vais sonner. D'accord, donc ça. Je vais sonner les cloches. Hein. Je pensais à quelque chose de plus festif. Oui, mais ça c'est prévu. On allait vraiment inviter tous les Bagnolais à venir faire la fête. Et si Bagnols est champion de France, alors là, bon, on n'en parle plus. Ah bah alors oui, Bagnols champion de France. Pendant 3 mois, ça va durer pendant tout l'été. Champion du monde. Pour terminer, je tenais à remercier la mairie de Bagnols qui nous aide énormément. Je tiens à remercier tous les sponsors qui nous soutiennent. Nos futurs sponsors, nous avons beaucoup de demandes et j'espère que cette année, nous allons battre tous les records. Eh bien, écoutez, en tout cas... sachant que bientôt, les travaux attaqués de la maison des sports au stade, donc le rugby va en bénéficier et c'est gracieusement construit par la mairie. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de belles choses. On souhaite à la France beaucoup de bonheur. Ouais. Alors, on va croiser les doigts pour Bagnols. On va croiser un petit peu les doigts. Voilà, on met la casquette qui va bien. Et puis, à très bien. Je vous dis à très bientôt. Merci. Je vous laisse le ballon parce que je sais que vous reviendrez avec la prochaine fois. D'accord. Avec la casquette. Et n'oubliez pas votre maillot la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, Lucien. Ça, je le note pour le répéter à Christophe Liabeuf quand je le verrai. Je vous souhaite plein de belles choses et puis à bientôt alors. Merci de nous avoir reçus et à très bientôt. Et puis bonne fête votive. Et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toujours en direct de Bagnols-sur-Cèze, toujours en direct de la place Bertin-Boissin ici en ce mercredi. Je vais avoir 3 micros, c'est génial, je vais avoir l'impression de pouvoir faire un discours. Nous avons depuis ce matin sur la place Bertin-Boissin un certain nombre, vous l'avez vu, de personnes qui rejoignent cet événement et ce plateau pour nous parler de cette édition de la fête votive, des festivals également, de cette édition 2023 des festivals. J'aimerais maintenant accueillir Christian Baum, qui est adjoint au maire, qui est délégué à la sécurité et à la tranquillité de la ville et avec qui nous allons parler de choses très sérieuses. Il est comme ça, Christian, il aime bien. Celui-là. Ouais, okay. Celui-là. Bonjour, monsieur Carré. Bonjour, monsieur Baum. Bonjour à tous nos promeneurs du marché du mercredi matin. Ils sont de plus en plus nombreux là depuis ce matin. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Christian, déjà quelques chiffres. Combien de manèges et combien de forains pour cette édition de 2023 de la fête votive ? Cette fête votive, comme nous le savons, est très importante. Elle s'étale sur une superficie quand même importante et nous annonçons 114 forains, 114 métiers donc, qui vont se répartir du parking au boulot jusqu'à cette fameuse place Tamalou, boulevard Lacombe, Jaurès et bien sûr le cours Ladroit. Donc ce sont 114 métiers divers et variés qui vont proposer un ensemble d'animations pour le plus grand bonheur des grands, des moins grands et des petits. Alors maintenant, j'ai envie de parler de choses peut-être un petit peu moins joyeuses, mais qui sont surtout intéressantes parce qu'il s'agit de sécurité et d'infos pratiques. C'est-à-dire que pour les riverains qui sont à Bagnols, qui habitent le centre de Bagnols, ça se passe comment ? Au niveau de la circulation, les accès, les routes, les accès qui sont autorisés, les routes qui seront peut-être en sens unique. Oui. On peut déjà donner un ordre d'idée de la façon dont les choses vont s'organiser. Oui, bien sûr. Donc le but quand même, c'est de faire... Donc le but en termes de sécurité, c'est que nos forains soient en sécurité pour qu'ils exercent leur activité le mieux possible, mais qu'aussi les promeneurs, ceux qui font la fête, soient aussi en pleine sécurité. Et le compromis, c'est que les habitants du centre-ville qui sont impactés par cette fête le soient le moins possible. Donc c'est pour cela que nous avons adapté certains sens de circulation. Je pense notamment à la rue Thom, je pense à l'Angevin, je pense à la rue du Cartonnage, où il y a des inversions de circulation pour permettre quand même de gêner le moins possible. Hein. Donc, et à la fin de la fête votive, donc à 2h du matin, à 23h le dimanche, c'est d'ouvrir les voies d'accès le plus rapidement possible. Donc il est important de tenir compte de nos riverains, de ceux qui habitent là et qui subissent pendant quelques jours quelques préjudices par rapport aux modifications de stationnement d'une part et modifications de circulation. D'autant que ces modifications sont relativement ponctuelles concernant le parc des marronniers. Vous savez que la bodega va s'installer au sein du parc des marronniers. Donc là aussi, il va y avoir des modifications dans la circulation. Et nous allons avoir le dimanche la festivité, la manifestation taurine qui va notamment bloquer la partie avenue Général de Gaulle, à la fois pendant la manifestation, mais lors de la préparation et lors du démontage. Voilà, donc il y aura quelques gênes à ce niveau-là. Alors sur toutes ces modifications, effectivement, des interdictions de stationner, parce que vous comprenez bien que lorsqu'on prend Jaurès, il y a les manèges, il y a les festivités, plus de parking non plus sur boulot. Donc effectivement, nous invitons vraiment les, les personnes qui veulent venir sur la fête votive à se garer à la périphérie. Nous avons des parkings très peu occupés tels que le parking de la Cèze, le parking des Estousilles. Ces parkings-là, il y a encore beaucoup de disponibilité. Le parking du Mont-Coton. Donc n'hésitez pas de vous garer en toute sécurité à la périphérie du centre-ville. C'est-à-dire que pour un Bagnolet qui travaille en journée à l'extérieur, en rentrant chez lui à 18h, il doit faire quoi? Alors, à 18h, eh bien, effectivement, s'il habite dans le centre-ville, il ne pourra pas forcément pénétrer à l'intérieur de la fête. Donc, il faudra qu'il se gare, effectivement, un peu à l'extérieur. Voilà. Donc, ces Bagnolets-là, ils sont informés? Oui. Alors, quels sont les supports d'information qui ont été prévus pour que tout le monde puisse avoir les éléments nécessaires pour comprendre quels sont les sens de circulation, les autorisations, les interdictions, les stationnements possibles? Bien sûr. Alors, je ne vais pas, bien sûr, vous lister toutes les interdictions parce que sinon, on en aurait jusqu'à ce soir. Mais il faut quand même savoir... le marché s'arrête avant. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et chacun des quartiers impactés par la fête a reçu un flyer, un document en boîte aux lettres qui correspond donc à sa situation dans le quartier avec toutes les informations. Là, j'ai quelques exemplaires. Voilà, donc vous avez... donc j'invite vraiment les habitants qui sont dans ces quartiers de consulter les flyers. Voilà, ils ont reçu ça, d'accord. Ils ont reçu l'ensemble des informations. Alors, ces flyers sont plus jolis que ça. Ils sont, c'est un demi A4. Ça, c'est pas très joli. Ça, c'est pas très très joli. Donc, ils ont reçu ça dans leur boîte avec l'ensemble des indications. D'autre part, l'ensemble des arrêtés municipaux sont positionnés sur le site de la ville. Donc, n'hésitez pas aussi à aller sur le site de la ville pour regarder l'ensemble des interdictions ou les modifications de sens de circulation. Voilà. On a tenu compte, il faut vraiment tenir compte de gêner le moins possible, notamment dans la journée, lorsque la fête n'a pas encore démarré. Il y a des ouvertures, l'Angevin sera ouvert, Jaurès sera ouvert à la circulation. La partie droite ici, donc la partie est de la Combe, est ouverte. Donc dès que la fête est terminée, on réouvre vraiment le maximum de voies possibles. Voilà. Alors, là, on a effectivement parlé du côté pratique, les accès, les sorties, les informations, la disponibilité de l'info pour les Bagnolets. Entre-temps, comment fonctionne la sécurité de la ville? Comment est sécurisée la ville? On va rassurer les Bagnolets. Bien sûr. Vous êtes élu aussi donc, à la tranquillité publique, donc c'est important. Rassurer les Bagnolets sur la façon dont la ville est sécurisée pendant cet événement. Bien sûr. Donc, pour recevoir à la fois ces 114 métiers que je vous évoquais tout à l'heure et pour recevoir en toute sécurité un public que l'on souhaite le plus large possible, bien sûr, nous aurons durant ces 3 jours de fête certainement des milliers de personnes qui vont venir. Il faut leur assurer une promenade, une déambulation sur l'ensemble de l'espace public de la fête en toute sécurité. Alors, pour cela... vous avez dû voir un petit peu fleurir à droite et à gauche sur les accès des barrières au rouge, des petites barrières au rouge. Ce sont des barrières anti-intrusion dont la ville procède à l'acquisition depuis déjà quelques années. Ce sont des barrières qui sont, il faut le dire, efficaces, qui sont esthétiques et qui nous permettent de barrer et d'isoler. Alors il y a un terme qui est à la mode, c'est confiné. Hein, donc, hein, on n'a plus trop envie qu'ils soient à la mode. On n'a plus trop envie, mais là, on va essayer de confiner quelques heures pendant la fête votive les différentes personnes qui se rendent dans cette fête pour les positionner en toute sécurité. Et donc, on va fermer. Tant qu'on est confiné pour faire la fête, ça me va. Hein, mais... ça va, hein, c'est quand même mieux. Hein, voilà, tout à fait. Donc, on va bloquer les principales rues. On va bloquer par ces barrières parce que... effectivement, nous sommes toujours en vigipirate. Il faut quand même bien le comprendre. Donc, il y a des mesures de sécurité obligatoires qui sont tout à fait claires. Ça, c'est une chose. Mais aussi, ça peut être simplement, et malheureusement, ça se produit à certains endroits, dans des foires, dans des manifestations publiques. Il y a des personnes qui peuvent se retrouver un peu perdues et se retrouver en pleine foule. Et c'est à ce moment-là où il peut se passer quelque chose de dramatique. Donc, il faut vraiment que les accès de nos véhicules, des véhicules des Bagnolets, eh bien, soient bloqués à certains endroits. Donc, on va mettre nos barrières, On va mettre des fameux blocs béton GBA que vous connaissez. On va mettre éventuellement des véhicules pour bloquer certaines avenues. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'idée d'isoler ces espaces publics pour que les personnes puissent se promener en toute tranquillité. Oser oui. Imaginer le pire pour obtenir le meilleur. Oser le, voilà, très bien dit, Monsieur Carré, très très bien dit. Voilà. Un mot peut-être, Christian, sur celles et ceux qui accompagnent cet événement. Je pense à la police municipale, au service de la ville. Oui. Alors, effectivement, le dispositif sécurité passe, comme je le disais, par des moyens passifs d'installation. Ça passe par du matériel. Mais effectivement, l'humain est très très important. Donc je veux souligner le rôle qui sera prépondérant à la fois de notre police nationale et municipale qui travaille véritablement de concert. Il y aura une présence forte de nos policiers. Et je tiens à souligner, c'est important, la fête votive est complètement couverte par l'ensemble du dispositif de nos caméras de protection. Hein, donc c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui vont se trouver pendant toute la durée de la fête au centre vidéo et qui vont être en correspondance immédiate avec les forces de police sur le terrain. Donc police nationale et police municipale. Voilà, donc ça va être déployé avec un contact direct par rapport aux images qui peuvent être exploitées en direct par le centre de supervision urbaine. Donc ça c'est important, je souligne vraiment ce travail-là. La sécurité, je voudrais aussi, parce qu'on parle sécurité, mais il y a un travail qui a commencé bien avant, depuis plusieurs mois, c'est, je dirais, de s'assurer administrativement que tous les métiers, tous les forains que nous recevons, eh bien, les bons agréments, eh bien, les bonnes validations des agréments de leur manège, que la sécurité, vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps de tous les problèmes qui a pu se passer sur des manèges. Donc, on a été véritablement très strict sur ça. Les manèges, les métiers qui s'installent à Bagnols ont fait l'objet de vérifications complètes concernant leur dossier et leur conformité sur l'installation de leur métier. Donc ça, c'est important. Alors ça a fait bien sûr des mécontents, c'est comme ça, mais on ne peut pas se permettre de faire venir des manèges qui ne seraient pas dans la légalité, qui ne seraient pas validés sur les conformités. Voilà. Christian, merci. Christian Baum, adjoint au maire, un dernier mot ? Un dernier mot, vraiment, parce que c'est un gros travail pour la collectivité. Je tiens vraiment à remercier tous les services, que ce soit les services techniques, les services de la tranquillité publique. Il y a un gros travail qui est fait pour la mise en place, de telle manière à ce que cette fête se passe du mieux possible. Eh bien, on va tout faire pour, c'est merveilleux. Merci Christian, adjoint au maire, délégué donc à la sécurité et à la tranquillité publique. Nous allons quasiment clôturer cette émission avec le retour de Maxime Couston. Voilà, Maxime qui n'est pas très loin, qui va pouvoir à nouveau prendre un micro. On va, Maxime, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour éviter d'oublier personne. Donc on va s'efforcer ensemble de penser un petit peu à tout le monde. Déjà sur la place Bertin-Boissin, remercier tous les restaurateurs qui sont autour de nous. La pizzeria L'Étincelle avec Chantal, historique. La bourse qui a été récemment reprise par Raphaël Moget et Valérie avec toute l'équipe de la bourse. Je pense également au DAPS qui ouvre ce midi avec Philippe Paredes et puis sa sœur Anna. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ? Et l'Atomique avec Lionel, Philippe, Maria et toute leur équipe. Je pense que on a fait le tour de la place. Je suis content. Mais pas que, parce que Bagnols, c'est pas que ça. On a fait tout à l'heure un petit point ensemble, Maxime, sur la rénovation de la place Bertin-Boissin, que l'on appelle aussi place Tamalou. On peut en dire un mot sur la place Tamalou, parce que moi, ça m'a toujours intrigué, ce truc. Tamalou, c'est l'histoire du marché, c'est l'histoire de Bagnols. Hein. C'est le lieu de rassemblement le mercredi des personnes un peu âgées. Je ne veux pas m'y mettre dedans, malgré mon grand âge, parce que je n'ai pas encore mal. Mais le premier mot qui se disait, tu as Malou. Tamalou. Voilà, en fait, donc, les gens se retrouvent sur la place. Le monsieur qui est derrière moi, je crois qu'il le sait aussi, cette histoire de Tamalou. Donc, on l'a baptisé par Tamalou par oui, rapport à ça. En fait, c'est parce que les Bagnolais se retrouvaient là et se plaignaient un peu de leur douleur. Les vieux Bagnolais se retrouvaient là. Donc, du coup, c'est devenu la place Tamalou. Alors, bien sûr, il faut remercier aussi les autres bars parce que on a parlé des bars et des restaurants de la place Bertin-Boissin, mais tout le monde est concerné. J'évoquais tout à l'heure le Central et le café, le bar des sports, qui est un bar qui ouvre à nouveau aujourd'hui, décidément, avec l'ouverture du DAP ce midi. Le café du midi aussi, avec notre ami Philippe Martinez. Le café de l'horloge, j'en passe. On peut malheureusement pas citer tout le monde, mais on pense à tout le monde. J'aimerais que l'on ait aussi une pensée pour tous les commerçants de la ville de Bagnols, les commerçants sédentaires qui sont là et qui travaillent tout au long de l'année, qui ont la chance d'avoir du monde aujourd'hui. Et en même temps, on le sait, il y a aussi parfois quelques petits désagréments. C'est pas toujours facile de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte. En tout cas, il faut les saluer et les remercier pour leur participation. Et remercier aussi les commerçants qui, cette fois-ci, sont autour de nous, les non-sédentaires, et qui sont là tous les mercredis depuis des années. Il y a les maraîchers, les poissonniers, les traiteurs, les marchands de vêtements. Ils sont courageux, ils se lèvent plus tôt que nous, Maxime. Ah, ça c'est sûr. On confirme ? Plutôt. Ça, ils se lèvent aux aurores. Ils ont beaucoup de mérite. Ils se lèvent aux aurores pour nous proposer leurs produits régionaux, pour nous proposer des produits locaux, bien sûr. Ils sont armés de courage, de motivation, de détermination, de sourire et de fidélité. Tout ça les anime et c'est important pour la ville de Bagnols-sur-Cèze. Un petit mot, Maxime, oui, pour conclure cette première édition en live depuis le marché en direct de la place Bertin-Boissin à Bagnols. D'abord, ça a été un grand plaisir. Hein. Merci au service communication, à ton aide aussi. On voit que tu es du métier, que tu as l'habitude d'interviewer les gens. Mais plus sérieusement, non pas sérieusement, mais je voulais reprendre un peu ce que tu as dit aussi. En 5 ans, on n'a jamais tant fait pour Bagnols. Tout à l'heure, tu as cité les places. On est parti de la place Jean Jaurès. Il y avait le Central. Maintenant, le bar des sports vient d'être repris par des jeunes Bagnolais. Ils ouvrent cet après-midi. Le Central, lui, ça fait quelques temps. Ensuite, on a redescendu l'avenue Paul-Angevin. Il y a eu des nouveaux commerces qui se sont ouverts. On a rénové la place, du coup, la place historique et bien provençale du Posterlon, avec un patron historique et toute une clientèle aussi qu'on a toujours plaisir à partager. On s'y rencontre de temps en temps et on partage pour partager le verre de l'amitié. Ensuite, on a descendu le boulevard à la Combe et aujourd'hui, on est arrivé à la place Bertin-Boissin. On a fait le tour de la ville, en fait. Qui est une véritable réussite au niveau architecture, au niveau urbanisme. Et là, quand on voit aujourd'hui que les 4 et 5 restaurants que tu viens de citer, je crois que c'est le plus grand plaisir qu'on puisse avoir. Et j'espère que ces commerces, et on va le voir, les terrasses sont pleines, la bourse vient d'être reprise, le DAP se reprend aujourd'hui, l'étincelle et l'atomique avaient résisté pendant les travaux. C'est ça Bagnols. Aujourd'hui, on est au marché, c'est l'échantillonnage plaisir de la ville de Bagnols, le marché. On a de la chance, il fait beau, bien sûr, il y a vraiment beaucoup de monde. On a les commerçants sédentaires, c'est la rentrée aujourd'hui, les nouvelles collections sont dans les vitrines, le marché aujourd'hui est complet. C'est vrai qu'on fait la rentrée en même temps que les scolaires. Bien sûr, on fait la même rentrée. Entre lundi, mardi, mercredi, les lycéens de terminale rentrent aujourd'hui. Exact. Et aujourd'hui, eh bien, on a cette belle foule qui est autour de nous, le monde associatif que tu viens de recevoir aussi, pour parler de la fête votive. Eh bien, la fête votive va clôturer nos festivals, je l'espère, en beauté. J'espère que les industriels forains vont faire leur belle fête, vont faire amuser toute la jeunesse bagnolaise et, bien sûr, et les environs de Bagnols. Que les associations comme le rugby qu'on vient de recevoir vont animer avec beaucoup de plaisir et l'enthousiasme qu'ils ont. J'ai écouté leur interview. Ils sont très enthousiastes. Ils ont des raisons de l'être en plus cette année. C'est une année historique hein, pour le rugby. Et bien entendu, comme je vois monsieur Christian Baum là, qui a parlé de la sécurité, et bien que toute cette fête se passera avec plaisir et en toute sécurité. Et voilà, ça sera, je crois, Au nom de Monsieur le maire, je tiens à remercier tous les Bagnols et Bagnolaises de participer à la vie de notre belle ville. Eh bien, merci Maxime, merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, c'était une première en live depuis la place Bertin-Boissin dans le cadre de la rentrée 2023-2024 et surtout pour célébrer les festivals, édition 2023, la fin des festivals et le début de cette fête votive que l'on vous souhaite excellente. À très bientôt, j'espère, avec une nouvelle édition de Bagnols et vous, l'émission. En attendant, portez-vous bien. Merci.